Depuis la création de la Terre, il y a plus de 4,5 milliards d'années, notre planète et les êtres qui y vivent sont plongés dans un bain de radioactivité. Mais comment c'est possible ? Tu sais, la nature est constituée d'éléments eux-mêmes constitués de petits grains, les atomes. Le cuivre, le fer ou encore l'oxygène que tu respires sont constitués d'atomes. Je te rappelle qu'un atome, c'est composé d'un noyau avec autour un nuage d'électrons en mouvement. Le noyau est lui-même composé de petites particules, les neutrons et les protons. La majorité des éléments est constituée d'atomes que l'on dit « stables ». C'est le cas par exemple du carbone, de l'oxygène ou du fer. C'est-à-dire que leur noyau garde un nombre de protons et de neutrons fixes en permanence. Je suppose qu'il y a des éléments qui ne sont pas stables du coup. C'est ça. Il y a des éléments qui sont naturellement instables. On pourrait dire qu'ils sont malades ou trop lourds si tu préfères, car ils contiennent trop de protons, de neutrons ou les deux. Alors, ils cherchent à perdre du poids pour retrouver leur stabilité. Ils vont donc se désintégrer en éjectant une ou plusieurs de leurs particules. C'est à ce moment-là qu'ils libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement. C'est la radioactivité. Mais comment on la retrouve dans la nature, cette radioactivité ? C'est simple. Cette radioactivité provient de la croûte terrestre qui contient naturellement de l'uranium, du thorium ou du potassium, par exemple. Ces éléments sont instables, donc naturellement radioactifs. La radioactivité provient donc du sous-sol, mais également des légumes et plantes que l'on mange et qui puisent dans le sol et aussi dans l'atmosphère des éléments radioactifs. Un autre exemple. La vache dans son pré broute de l'herbe en contact avec le sol. En consommant sa viande ou son lait, tu peux donc être exposé sans le savoir à de la radioactivité. Enfin, une autre partie des rayonnements quotidiens que tu reçois provient des rayons cosmiques, c'est-à-dire du soleil et des galaxies. Tout ça, c'est la radioactivité naturelle. Il y a aussi la radioactivité produite par les activités humaines. On l'appelle radioactivité artificielle. Elle vient surtout des hôpitaux, des laboratoires, des industries, des essais d'armes nucléaires et des installations nucléaires. Et comment ça marche ? Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire. Là, on n'attend pas que les atomes se désintègrent tout seuls. On les casse pour obtenir de l'énergie qui permettra de produire de l'électricité. C'est le cas avec l'uranium-235, par exemple, qui sert de combustible dans les réacteurs nucléaires. Le principe est le suivant. Regarde, quand on envoie un neutron sur un noyau d'uranium-235, le neutron est capturé, mais en même temps, le noyau se casse en libérant de l'énergie sous forme de chaleur et de rayonnement. Mais ce n'est pas tout. Le noyau éjecte aussi deux ou trois neutrons qui, à leur tour, vont être capturés par d'autres noyaux d'uranium-235 qui vont se casser, libérer de l'énergie, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la réaction en chaîne. Le problème, c'est que ces neutrons ne sont pas tous capturés. Certains vont bombarder la cuve du réacteur nucléaire. Ce métal devient lui-même radioactif. Cette radioactivité se faufile partout. Et qu'est-ce que c'est exactement, ces rayonnements ? Lorsqu'un atome instable se désintègre, il peut émettre trois types de rayonnements. Alpha, bêta et gamma. Explique-moi la différence. On commence par lequel ? Commençons par le rayonnement alpha. Si l'atome éjecte une particule constituée de deux protons et deux neutrons, c'est une particule alpha. Elle est assez grosse et ne va pas très loin dans l'air. Quelques centimètres seulement, et elle peut être arrêtée par une simple feuille de papier. Et si elle rentre en contact avec ta peau, elle reste en surface. Le rayonnement bêta, lui, provient d'une particule un peu plus petite, qui va plus loin dans l'air, disons quelques mètres. Cette fois-ci, pour l'arrêter, il faut par exemple une feuille d'aluminium. Si cette particule rentre en contact avec la peau, elle va s'enfoncer un peu plus profondément dans la peau, quelques millimètres, et va détruire les cellules qu'elle rencontre. Et les derniers, les gamma ? Les rayons gamma sont les plus pénétrants. Il s'agit cette fois-ci d'une onde électromagnétique, comme les rayons X quand tu fais une radiographie, mais plus puissants. Ils peuvent parcourir plusieurs centaines de mètres dans l'air. Et pour les arrêter, ces rayons gamma, il faut une grosse épaisseur de plomb ou de béton. Si tu t'approches trop près d'un élément qui émet des rayons gamma, tu peux être irradié. Irradié ? Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que les rayons traversent le corps et détruisent les cellules de l'organisme. Mais je te rassure, dans notre vie de tous les jours, nous sommes très peu exposés à la radioactivité.